Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Brigitte, Myriam, excusez-moi. Salam. Là la famille, on va passer à un défi vraiment intense. Oh excusez-moi, il y a Yacine aussi, je suis désolé Yacine. Salam, salam. On va faire un 7 secondes challenge, je vous explique. C'est pas forcément 7 secondes, par exemple. Myriam, t'as 10 secondes pour me rester l'alphabet le plus vite possible. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Vous avez compris, un défi en nombre de secondes, si tu réussis, tu gagnes 10 euros. Non, pas tout de suite, c'était juste l'exemple. Vous êtes prêts? J'ai pardonné un défi à Younes, c'était parti. Et là, tu fais quoi? En train de regarder la nouvelle vidéo. Ah, ok. T'as 20 secondes pour faire tous les 10. Wouah! 2, 3. Non, t'as 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, pas réussi. Quoi? C'est moche. Yacine, alors comme par hasard ton lit il passe et mon lit c'est catastrophique, hein. Regarde. Mais ici. Ton lit il est trop regarde gros. Ici. Regarde ici. Oh là là. En plus je t'ai laissé plus de 10 secondes. Bon tiens, défi pas validé. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Déjà elle a enfreint les règles du jeu, elle a dit au début t'as 20 secondes. Tu m'as dit ça. Oui mais. Et après elle a dit non 10 secondes. Il faut pas se tromper. Je veux jouer à ça? Yacine, viens à côté de moi. Myriam, est-ce que tu es prête? Oui. Tu as 15 secondes pour faire 3 figures de gym différentes. Ok. 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Réussi. Quoi la première figure, ça? C'est un chassé, ça. Tu lèves ta jambe. Ok, première figure validée, deuxième figure, c'était le pont. Et la troisième figure, est-ce que tu peux nous refaire la roue? Ok, décale-toi. C'est une roue, ça? Alors, après réflexion, c'est validé pour Myriam. Tiens. Quoi? Tiens. Mais quoi? Tiens. On la douille, frère. Toi, money, tu vas voir. Tu commences ta journée comme ça, tu vas voir. J'ai fait quoi? T'as rien fait, mais. Money. On va lancer un live sur Fortnite et là, on va lancer le défi à Yacine. Regardez la famille, il y a du monde sur Fortnite. Les gars, n'hésitez pas à passer un petit coucou. Regardez là, on est en live TikTok et on est en live YouTube. N'hésitez pas à passer un petit coucou, il y a tous les abonnés, les gars. Allez, Yacine, il est en 1v1. Ok, Yacine, tu le vois le mec en face ou pas? Ouais. T'as 15 secondes pour faire top 1. 16 secondes. 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, défi raté. Oh, il va pas faire le top 1, les gars. Voilà, c'est cool. Désolé, t'as pas respecté le temps, Yacine. Sérieux? T'as pas respecté, il a fait... Il était trop fort, le mec, il m'a mis un anime, mettez que des dingueries en sniper. Regardez ce qu'il dit sur YouTube, les gars, il a pas respecté le défi, hein. Regardez, vous m'avez laissé combien de secondes? Coucou, salut, vous disent tous salut. Merci pour les GG, tu m'as laissé combien de secondes? Genre, t'entendais pas ce qu'on te disait? Bah non, j'avais 15 dans les oreilles. T'avais 16 secondes et tu l'as fait en 20 secondes. C'est impossible. Défi validé ou pas, Myriam? Non, en vrai, non, on ne triche pas. Voilà. Okay. La porte, elle s'est ouverte toute seule. Oh! Y'a quelqu'un? Ah, les gars, le mec, il était trop fort. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Vas-y, va regarder. Non, je passe pas, regarde. Bah, viens, on s'enferme. S'il y a quelqu'un, laisse tomber mon reste avec Yacine. Je suis pas fragile, je peux plus manger tout ce qui est gras. Les gars, j'ai gagné mes 10 euros. Mais j'aimerais bien les dépenser. Mais à votre avis, je vais avec Younes ou Yacine? Younes, lui, il va me dire achète pas ça. Et Yacine, il va me demander 5 euros. Je sais pas en vrai. Younes, Yacine! Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, y'a quoi? Mais tu fais quoi, lâche-pied, toi? Non, j'essayais de savoir si, genre, si je perds une jambe, si je pouvais continuer à marcher, mais c'est grave dur. Ok, qui veut venir avec moi au magasin? Moi. Non, Yacine, mais stop. Ok, on va faire un truc. Vous avez 7 secondes, vous deux, pour mettre vos baskets. Oh. Ok, Younes qui est en tête, Yacine qui cherche les baskets. Yacine, il a mis des crampons. Myriam, c'est bon, j'ai fini. Non, Myriam, arrête, frère. Yacine, ça compte pas, c'est des crampons. Alors. Avec moi parce que Yacine il a mis des crampons, regardez quoi, il va jouer au foot au magasin. Regardez, il a mis des crampons, ce taré. C'est des mercuriales. C'est quoi ce que je te propose? Va faire du sport et nous on va au magasin. Nous sommes arrivés à destination avec Myriam. Ouais, les gars, avec mes 10 euros, devinez ce que je vais acheter. Tu vas te mettre bien avec 10 euros. Mais tu trouves pas qu'on est mieux sans Yacine? Genre, on est plus libre. Oh, ça se fait pas. Mais on est libre sans Yacine, ça non? Ça se fait grave pas. Quoi, comment ça, tu le penses pas, toi? Ça se fait pas de dire ça. Non, je rigolais, les gars, je rigolais. Mais tu crois qu'avec 10 euros, t'as besoin d'un chariot, frère? Maman nous a envoyé faire des courses. Maman nous a dit de faire des courses. Ouais. Ah, les gars, la mission. Mais y a déjà pas de jetons. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah. Les gars, c'est pas prendre un chariot, les gars. Ah, mais regarde, y a quoi dedans? Ah, on les vend. Dégage. Quoi, vous laissez des trucs dans les chariots, les gens? Ah. Quoi, vous faites ça? Et ça se trouve, il y a le coronavirus mélangé au choléra. Ah. Les gars. Myriam, s'il te plaît, que t'es 10 balles. S'il te plaît, que t'es 10 balles, prends des bûches. Prends une bûche. Regarde, ça coûte combien? 11 euros.
J'ai pas assez. Younes, s'il te plaît, avec ton argent, prends-le. Mais plaît. Quel plaisir, les s'il amis. Younes, prends-le ton argent. Mais t'as 10 balles. Mais j'ai pas assez, ça coûte 11 euros. Regardez, j'ai mis des Raffaello où? J'ai dans pas le compris, les gars, pourquoi vous mettez des Raffaello dans les cahiers? Ça se fait pas, sors-les. Je suis sûr que quelqu'un a dû les manger. Regarde, c'est ouvert. Ouais. J'en étais sûr. Il y a un mec qui l'a mangé, il l'a mis dans le rayon feuille. Putain, vous êtes dégoulasse. Non mais les gars, c'est pas possible. Tu vas acheter ça avec 10 euros. Oh là là, les gars, ils veulent prendre des jouets avec 10 euros. Regardez, les jouets, ils sont extrêmement gaises. Le seul bon jouet qu'il y a ici, c'est les trucs Pokémon, là, tu vois. Décale. Tu vois, c'est ça, les trucs Pokémon comme laisse. Ça, là. Ce Pokémon, il est stylé. Mais tu vas prendre ça? Pour 10 euros, j'ai pris des Scooby-Doo. Franchement, il y en a pas mal pour 10 euros. Et avec des mini-skates. En plus, on peut changer les roues et tout. Ok, ok. Mais Younes, j'ai pas assez d'argent pour à manger. J'aimerais bien prendre un goûter aussi. T'as faim? Oui. Mange tes jouets. Mange. Non, ça... mais vas-y, t'inquiète, viens, j'ai la solution. Viens. Ok, Myriam, tu m'as dit que t'as faim. Oui. Tu vois où je t'ai emmené? T'as 7 secondes pour prendre la boisson de ton choix. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, t'as choisi quoi? Lipton. Ice tea? Ouais. Mais Younes, 7 secondes, c'est pas assez. Vas-y, là, on est dans la graille. Sandwich, pas de tout. Je te laisse 20 secondes. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Les gars, regardez, il y a des sandwichs ici, mais je sais vraiment pas. En vrai, non, j'aime pas. 15. On a. Des salades. 10. Des burgers, pas de burgers. 5. Oh, attends, c'est halal, ça, non? Ouais, c'est halal. 3, 2, 1. Ok, fais voir ce que t'as pris. Elle a pris des pâtes carbonara. Ah! Alors, vous avez acheté quoi? Bah moi pour ma part j'ai acheté des pâtes comme ça, regarde des carbos. Oh halal. Des pâtes turquie, c'est un truc de ouf ça. Jamais vu ça, pâtes turquie carbonara. Avec du Lipton la base, okay. Scooby-Doo. Et avec deux finger skates. Avec et... Giro vous avez acheté ça? Ouais. C'est une blague. Non. C'est qu'est-ce qu'il a dit dans la voiture? Quoi? Il a dit que c'était grave mieux sans toi et tout, qu'on pouvait avoir grave plus de liberté. Quoi? Eh, tu sais quoi? Viens, on lui fait un cocktail dégueulasse. Il va jamais le boire. Younes, pour de l'argent, il est prêt à tout. Viens, on lui fait un cocktail dégueulasse. Vas-y. La famille, dans cette journée, on est obligé de lire le Coran pour une journée incroyable. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport avec le Coran? Si on peut aller dans les magasins, si on peut être heureux, si on peut manger à notre faim, vous croyez que c'est grâce à qui? C'est grâce à notre Seigneur. Et notre Seigneur, il nous a parlé directement dans le Coran. Donc, faut pas qu'on oublie de faire la prière, de lire le Coran, etc. Parce qu'il y a un rendez-vous qui nous attend tous, la mort. Et après la mort, on va se retrouver devant Dieu. Et Dieu, il va nous juger de tout ce qu'on a fait sur cette vie sur terre. Il va nous dire, je vous ai donné de l'argent, je vous ai donné à manger. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous m'avez remercié? Donc toujours remercier Dieu, la famille, c'est important. Et je vais vous lire 2-3 versets. Même les non-musulmans, écoutez, franchement, c'est super. Dans une sourate, Dieu nous dit, c'est lui qui vous a créé. Donc c'est Dieu qui nous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire que Dieu nous a créé. Parmi nous, il y en a qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas. Mais Dieu, il observe tout. Ensuite, il nous dit, le jour, il vous réunira pour le jour du rassemblement. Donc, c'est le jour du jugement. On va tous être réunis. Ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, tout le monde va être rassemblé. Ce sera le jour de la grande perte. Pourquoi le jour de la grande perte? Parce que dans cette vie, des fois, on vole, des fois, on fait des mauvaises choses, on a des mauvais comportements et on va rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait. Donc, la plupart d'entre nous, que Dieu nous pardonne tout ce qu'on a fait et qu'on essaie d'être des meilleures personnes. Et après, quand même, une petite lueur d'espoir toujours. Celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer au paradis. C'est incroyable. Celui qui croit et qui fait des bonnes œuvres, Dieu t'efface tes péchés. T'as menti, t'es mal comporté. Si tu crois et tu fais des bonnes œuvres, Dieu t'efface les mauvaises. À nous de faire le bien à la famille et qu'on s'entraide tous à faire le bien. Attends, mais comment ça il a dit c'est mieux sans moi? Moi j'ai fait quoi? Je sais pas, il m'a dit tu trouves pas c'est mieux sans Yacine? Ah ouais? Ouais. Quoi, on va lui mettre ça. Vous savez c'est quoi ça les gars? Ça c'est de la cidre, c'est un truc dégueulasse mais un truc de ouf. On va lui mettre une bonne dose de. C'est bon, t'inquiète. On va lui mettre ça. Ketchup, mets du ketchup! Non, mets du ketchup! On va mettre d'abord ça, de la coco. Ok, on va voir si c'est mieux sans moi. Voilà, c'est bon. Et on finit par du ketchup. Non, il y a du lait aussi. Oh là. On va mettre un peu de lait pour le matin, c'est bon pour les... Pas dans les commentaires pour combien vous buvez ce mélange, les gars. Oh là. Attends, il faut le mélanger à la cuillère. Eh, regardez, il y a un fond rouge en bas, on dirait grave un truc de restaurant. Hier. Oh. Younes! Younes, viens voir! Ouais, viens voir! Vite, cours! Cours! On t'a préparé un petit mélange. On t'a préparé un de ces cocktails, mon pote. Ah, oh, j'ai goûté, il est incroyable. Regarde, c'est à base de sirop, à base de noix de coco, à base de lait écrémé sucré, c'est incroyable. Non, j'ai pas soif. Si. Goûte-moi. Goûte-le, il est incroyable. Je suis en train de jouer à la clé. Pour 10 euros. Ok, pour 10 euros, tu le bois. 1 euro. T'as 7 secondes pour boire le cocktail pour 20 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il a tout bu. Il a tout bu. Aïe. Eh, crache pas sinon c'est pas validé. Non, crache pas sinon c'est pas validé. Il a craché. C'est pas validé, le défi n'est pas validé. L'argent. C'est pas validé. T'as craché. Non. C'est pas validé. Ouais, retourne jouer à Call of. J'arrive, les gars. 7 secondes pour lui voler sa manette. 1, 2, 3. Hé.
validé, mais oh. Ok, c'est validé. Qu'est-ce que vous faites? Aïe, 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 aïe. Dun. C'est pas validé. Pourquoi tu prends des chaussures? Il est intoxiqué. Moi, c'est bon, tu peux aller rejouer à la play. Millionnaire. T'es millionnaire? Yacine, t'as 7 secondes pour toucher le cactus. Pour 10 balles. 1, 2, 3. Moi, 4, je peux le faire, moi, je peux le faire. 5. 6. Mais ça y est, j'ai touché. Non, non, mais c'est pas ça les frères. C'est pas ça un cactus, les gars. Vous avez vous de rater. Le cactus, c'est les gros pics. C'est celui-là? Oui, c'est ça les gros pics. C'est ça, c'est où le cactus? Ok, bah j'ai touché alors. Non, non, mais c'est pas comme ça. Vous êtes des tricheurs, mais c'est incroyable. C'est bon, là. Vas-y, touche, bah vas-y. Ok. Mets ta main là, mets ta main là. Non, mais m'appuie pas ma main. Oui, j'appuie pas. Va là-bas. Arrête, Myriam. Vas-y, j'appuie pas, vas-y. C'est pas des lol, ça fait grave mal, hein. J'ai même pas appuyé. Mais c'est un truc de ouf, c'est les pâtes spéciales turquies, je savais pas que ça existait. Ouais. Myriam, elle va tester. Y'a quoi dedans? T'as des lardons. C'est du porc. Mais non, toi. Mais dis pas que c'est du porc. Y'a marqué sur L-L-A-H-A-L-A-L. On va voir si c'est validé. Mais c'est incroyable avec la crème. Est-ce que c'est les meilleures pâtes ou alors est-ce que les autres pâtes elles sont meilleures? C'est incroyable, c'est mieux. Maintenant, on va goûter le Lipton saveur pêche, bro. Et qu'il y en a, si ça leur monte. Ok, tu stops ce que tu fais. Quoi? Pour 10 euros. Tu vas avoir 10 secondes pour manger cette clémentine. T'as pas le droit de faire ça. Ah, okay. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as fait n'importe quoi. 7, 8, 9 et 10. Est-ce qu'on lui valide? T'arrives à mâcher et à avaler, je te le valide. Grave chaud. Oh, attends, je suis un ouf. Regardez. Regardez. La meilleure technique pour faire manger des fruits et légumes aux enfants. Faites-le chez vous. Les gars, je vais mettre en jeu 10 euros entre Yacine et Myriam. Il y a plein de ballons par terre. Ils vont devoir péter le maximum de ballons en le moins de temps possible sans utiliser les mains. Vous utilisez ce que vous voulez, mais pas les mains. Ok, pas de problème. C'est parti. Ok, je vois que Myriam a préparé une première technique. Yacine, prépare ta technique aussi. D'ailleurs, Myriam, tu... J'ai vu une vidéo, il y a des gens, ils explosent grave vite des ballons sans les mains. Ok, bah on va voir si tu vas réussir. Yacine, tu prends le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti. Ça bug. Vite. Dépêche-toi. Ok. Vite. T'es trop légère. Ok. 41 secondes. Il y a 42, mais je triche pas vu que j'ai arrêté une seconde après. Ça voulait pas se péter aussi. Alors moi, ma stratégie, elle va être différente de la zen. Je vais rassembler tous les ballons au milieu. 1, 2, 3. Je crois, Yacine, que t'as fait un record du monde. C'est niveau professionnel, ça. Je crois que t'as fait un record du monde. Mais attends, mais est-ce qu'on peut recommencer? Bah non, désolé. Raboule. Wow. Monsieur l'arbitre, il me nargue à changement. On change. J'ai une petite bonne nouvelle pour toi, Myriam. Tout à l'heure, je ne t'ai pas acheté de bûche, tu te rappelles? Ouais, ça le rate, c'est normal. Maman nous a fait une surprise. Wallah, c'est ma mère c'est qui a fait ça. C'est quoi ça? C'est une dinguerie. Mais vas-y, toi, t'as acheté à la boulangerie. Ah non, je t'ai pas acheté à la boulangerie. Mais vas-y, lui, il est trop faire des pranks comme ça. Wallah, c'est maman qui l'a fait. Ok, la... après l'effort, le réconfort, Mimi, tu vas pouvoir tester. Il a craché dessus. À mon tour de proposer une activité, les mecs. On va devoir écrire un mot dans la main, il faut le cacher. Et l'autre a 30 secondes pour découvrir qu'est-ce qu'il y a écrit. Oh, force à lui. Force à toi, mec. C'est parti. C'est du sport? Non. C'est de la bouffe? Non. C'est une marque? Oui. Nike? Vêtement. Non, c'est pas une marque, c'est un objet. Un objet, ok, on peut s'en servir pour jouer? Non. Un tacos? Non. Un grec? Non. Chronomètre? 6. Non, plus précis. 5. 4. Je sais pas. 3. Un tacos? Une montre, 2. Avec une marque. 1. C'est une fini. Montre. Apple? Trop d'argent. Oh! Alors. Il a dit ça à la fin du temps, donc ça compte pas. Et en plus, c'était Apple Watch, donc c'est pas complet. Et en plus, Younes fallait demander est-ce que je l'ai sur moi? Je t'aurais dit oui, t'aurais dit une Apple Watch. Du coup, Myriam, tu remportes les ballons. Merci. Dernier défi de la vidéo pour les 10 derniers euros restants. Donc là, on a 7 secondes pour faire deviner une personne célèbre. Je commence à faire deviner un personnage à Myriam célèbre. Hein, c'est parti. Ronaldo. C'est bon. Par contre, c'est la première dernière fois que tu fais sortir un son de ta bouche. Ah, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Ah. Les 7 secondes sont passées. Je l'ai pas. C'est qui, Myriam? C'était toi. Quoi? Quand tu marches comme ça, tu prends tout le truc au rayon bleu. Quand t'arrives devant le rayon chocolat, non. Mais là, fallait pas faire ça. Pour imiter Younes, fallait faire ça. Tu prends un gros tacos comme ça, tu fais... Vas-y. Ha ha ha!
Ah, c'est Myriam. Ouais, c'est Myriam. Quand on veut faire de la gym. Elle fait de la roue comme ça, mais ça. Oh, le gamin. Du coup, Yassine, il a deux. Mais non. Je sais. C'est Yassine. Ouais, quand tu racontes. Bilan de la vidéo, Myriam, t'as eu combien? 40 euros. Moi, j'ai eu que 10 euros, mais Younes l'a eu 0. Donc, en vrai, de vrai, faut toujours voir pire que ça. Younes l'a eu 0, les gars. Si ah vous voulez bon, voir un épisode 2. Le plus petit, il a eu le plus, le moyen, il a eu moyen, et le grand, il a eu 0. J'avoue. Donc, en tout cas, si vous voulez voir un épisode 2, n'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner. Nous, on va vous laisser là. Ciao.